Dragon Ben City et sa partenaire, Denitsa Ikonomorat. J'aimerais bien, malheureusement je pense que ça va être la dernière année. Parce que les gens vont se lasser de me voir danser. Mais non, parce que lui, du coup, il va faire l'année prochaine et après ça sera fini, il y en aura encore d'autres. Parce que Denitsa va encore gagner 3-4 fois, c'est ce qui est prévu. Voilà, pour annoncer un petit peu la couleur. Ouais, il y a plusieurs Sylvia qui essayent de passer en dessous. Je t'ai grillé. ouais, je sors d'un... Alors Katrina qui passe, bon, on présente tout le monde. Katrina Patchett, excellente danseuse. Hello. Matonia. Mes projets, alors je viens juste de finir un film qui s'appelle Tamara. C'est un film au cinéma tiré d'une bande dessinée. Donc voilà, ça devrait sortir cette année. Je viens de le finir, on a tourné en Belgique. Et là, j'ai plein d'autres projets qui arrivent. J'ai un unitaire pour TF1 qui va normalement s'appeler Kamasutra. Drôle de nom, mais il y a plusieurs projets au cinéma qui arrivent. J'annoncerai là bientôt, très vite, les titres et autres. Mais voilà, pour le moment, il y a beaucoup de cinéma qui arrive, donc je suis très content. C'est vrai que Danse avec les stars m'a ouvert énormément de portes et m'a ouvert un plus large public. Ça m'a servi beaucoup parce que moi, en fait, je tourne depuis assez longtemps, mais j'avais pas un public si large que ça. Je passais sur TF1, le soir, j'avais une série, donc les gens connaissaient un petit peu ma tête, mais c'était... Il est formidable dans Nos chers voisins. Je l'adore. Je vous adore dans C'est quoi, c'est avec Mimi Mati, mince, Joséphine. Oh là là, vous êtes extraordinaire. Je claque des doigts à chaque fois. J'adore et voilà. Ça. Non mais t'inquiète, il y en a un qui va arriver, celui-là. T'inquiète pas, qu'il a pas une taille immense. Là, tu peux baisser. Alors c'est le petit par sa taille, mais grand par son talent. Je peux te le dire, Chris Marquez. Ouais. Bonjour. Tu sais qu'on a un spectacle dans une demi-heure là. Dans une demi-heure ? Dans cette petite demi-heure qui nous reste, j'aurais une question. Dans la petite demi-heure qui nous reste, ce serait bien que tu ailles te préparer en fait. Ok, bon, et ben je vais pas tarder. C'est le chef, hein, je peux que fermer ma gueule. Donc.